des femmes portant le niqab à la terrasse d'un café. Le niqab, tout le monde connaît ce que c'est le niqab ? Alors, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est le foulard, on voit que le regard comme ça. Donc, est-ce que ces femmes ont le droit de porter le niqab à la terrasse d'un café ? Non. Qui dit oui ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Non, non, c'est pas vrai. Et les autres alors ? Moi, je fais rien. On recommence. Niqab à la terrasse d'un café en France. Qui dit oui, c'est OK. Levez la main, qui dit oui ? Oui, elles ont le droit. Chez moi, il n'y a pas lui, il n'y a pas toi. Niqab ? Non, elles n'ont pas le droit. Ok, il y a les deux. On en a parlé mardi, on a parlé d'une loi 2010 qui interdit de quoi ? Lâcher le visage, les masques. Oui, là, je ne sais pas, c'est donc que je suis pas. Voilà. C'est ça. On ne sait pas si on doit lui vendre du pain ou quoi. Alors, ce voile islamique, hijab, est-ce qu'il cache le visage ? Est-ce qu'on a le droit de le porter en France ? Oui. Oui. Dans la rue ? Oui. Oui. Au café ? Oui. Pour aller chercher les enfants à l'école ? Oui. Oui. Pour travailler ? Oui. Non. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Dans le privé, souvent, oui. Souvent. Dans le public ? Non. Ok ? Ah non, pas l'école. Pas l'école. On a parlé d'école. Maternelle, école, collège, lycée. Non. Université, oui. Pour aller chercher les enfants. Chibab. C'est un voile qui est beaucoup plus couvrant, il couvre les mains, les chevilles, et le visage, ça va, on le voit. Donc le visage, on le voit, il est beaucoup plus visible. Bon, non, ça va pas, ça. C'est vrai, David. Parce qu'on sait déjà, on sait pas s'il a mis un truc... Voilà, je sais pas. Ah, mais ça... Le chador, il est autorisé aussi parce que je vois le visage. C'est un voile qui est tenu à la main, il est pas très pratique. Ça veut dire que la paille, le pince pour mettre, il est trop ouvert. Peut-être, oui. Mais en tout cas, il est autorisé parce qu'on voit son visage. Okay. On peut demander, par contre, de pouvoir, si on veut vous identifier, pour des examens, demander de dégager un petit peu les oreilles pour pouvoir vous reconnaître. Mais sinon, c'est pas interdit. Non, mais femme. Si c'est femme, il n'y a pas de problème. Elle peut arriver. Si c'est femme. Non, mais moi, je ne parle pas de, je parle pas en fait de ce qu'elles ont droit à faire dans la religion. Ça. On parle pour se promener dans la... Je ne sais pas, c'est un monsieur ou c'est une dame, je ne sais pas. Oui, donc, et donc tu n'as pas le droit de savoir. Tu n'as pas le droit de savoir. Oui, bien sûr. Là, moi, je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de savoir. En France, tu as le droit de savoir. Le niqab, c'est interdit parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne peux pas reconnaître ces personnes. Donc, c'est la loi de 2010. Qui interdit la dissimulation du visage. Ça, c'est un gars, ça. Ça, c'est maman, ma femme. Ça, c'est un gars. Toi, ta femme, elle n'a pas le droit, c'est ça que tu dis ? Ça, là, non. D'autres la connaissent, c'est bon, mais ça, là, je... D'autres, là, si, mais ça, là, bon. Bon, alors, est-ce un homme ou est-ce une femme ? Non. Je ne sais pas. La vodka est interdite en France depuis 2010 parce qu'on ne reconnaît pas. On ne peut pas le vivre ensemble. C'est quoi, c'est deux mois ou c'est... C'est ça.